Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque année, présentation du nouveau matériel de pêche qui est disponible sur le marché pour la pêche du carnassier. Aujourd'hui, c'est spécial aussi parce que je suis accompagné de Julie. Elle va m'aider à vous présenter et faire un unboxing, donc une ouverture de carton, un énorme carton qui est ici. On est tout impatients d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Je les ai vus en théorie. Maintenant, je vais les découvrir en pratique. J'ai regardé aussi. On va vous présenter les nouveautés de la pêche au carnassier pour cette saison 2023. C'est parti. Alors moi, je vous préviens tout de suite, je suis une débutante en pêche. Le grand expert ici, c'est évidemment Fichik, hein. Donc c'est lui qui m'a tout appris et je crois qu'il a encore pas mal de choses à m'apprendre. De ce que j'ai entendu hein, par là, on m'a soufflé à l'oreille qu'il y avait des cannes à pêche, des leurres, du fil, de la tresse. Des moulinets, des leurres, des moulinets, du fil, de la tresse, des accessoires de pêche. Enfin, tout ce qu'on a besoin en tant que pêcheur. Et il y a même une surprise pour toi à l'intérieur. Yeah, en toute logique, à l'intérieur, il y a un cadeau pour toi. Oh, trop hâte de découvrir ça. Et vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Canne à pêche, leurre? Ouvrons tout de suite cette boîte pour ça. Oh, et pour une fois, il y a du soleil en Belgique. On a mis nos lunettes. Trop bien la Belgique. Alors, j'ai même mis mon nouveau vernis pour vous présenter ces nouveaux accessoires de pêche. Non, attends, moi je te coupe. C'est une chaîne de pêche ici, c'est pas une chaîne d'esthétique. Donc, tu vas ranger ton vernis et tu vas nous montrer des leurres maintenant. Bon, les leurres, regardez ça. Tadam! Ouverture de la caisse. C'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir la caisse. Yes. Waouh, il y en a plein de toutes les couleurs. Il y en a des à paillettes. Évidemment, moi je kiffe. Alors, est-ce que tu as déjà vu un cadeau à l'intérieur? Bah, j'aime déjà bien les leurres roses, donc ouais. Ça, je veux bien qu'on aille les tester. Hein. Je le vois déjà d'ici, ça, c'est des leurres spécifiques pour faire de la pêche en verticale. Bon, allez, on décortique tout ça. Bon, ça y est, on a sorti matériel, moulinet, tresse et canne à pêche. On va commencer par là et on attaque les leurres par après. Nous avons ici en moulinet deux gammes différentes. On a le Dynamite qui est le haut de gamme, le fleuron de chez Stucky Fishing, okay, en thème de moulinet. Et puis on a le Donarite qui lui est un moulinet qui est plus ou moins deux fois moins cher, qui est donc un milieu de gamme. Alors on retrouve un moulinet qui va être à plus ou moins 200€ là sur le Dynamite. Et on a un moulinet ici qui va tourner dans les alentours de plutôt 100€ dans le Donarite. Alors là, il y a des spécificités, il y a plusieurs tailles différentes. On peut voir, il y a deux boîtes ici parce qu'il y a deux moulinets, deux tailles, 2000 et 3000. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Au plus il y a de roulement, au plus c'est fluide, au plus c'est cher aussi. Il y a un peu de tout dans la gamme pour tous les pêcheurs. Il y a plusieurs gammes de prix différentes. Ensuite, on a de la tresse de chez Stucky Fishing. Tu sais à quoi ça sert la tresse, Julie? Bah, la tresse, c'est pour mettre dans ta canne et pour mettre ton leurre au bout. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme fil, qu'on mettra comme ligne principale dans le moulinet. Dans le moulinet, oui. On terminera en la ligne avec une fin de ligne en fluorocarbone. Ici, on n'en a pas, mais il y en a aussi dans la gamme chez Stucky Fishing. Alors, présentation du Dynamite ici de taille 2000. Petite subtilité, il y a une bague en caoutchouc à l'intérieur, ce qui permet d'éviter que le fil glisse, que la tresse glisse dans le bâti du moulinet. Donc ça, c'est plutôt pratique. J'avais jamais vu ça sur une base de moulinet. C'est plutôt sympa. Et dans la boîte du Dynamite 2000, on y retrouve aussi deux petites poignées supplémentaires. C'est-à-dire qu'on en a une métallique, une en liège et une en EVA, donc en mousse. Donc trois types de poignées différentes. C'est livré d'origine avec le Dynamite 2000, donc ça franchement c'est un plus chez eux, c'est pas mal. Alors le Donarite lui est livré qu'avec une seule poignée, donc livré dessus, mais il a également une bague en caoutchouc sur la base du bâti, ce qui lui permet de nouveau d'éviter que le fil glisse, que la tresse glisse à l'intérieur du moulinet. Belle amélioration par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les marques classiques comme Shimano, Daiwa, etc. Alors tout ce qu'on vous présente aujourd'hui dans cette vidéo, ça vient de la marque Stucky Fishing.
Donc c'est la plus grande marque qui existe en Suisse. C'est une marque qui existe déjà depuis quelques années. Donc que ce soit sur le site de Fish Explorer, d'accord, ou bien dans différentes boutiques. Et d'ailleurs, petit rappel, donc FishTik est partenaire de la boutique Fish Explorer. Et si vous utilisez le code FishTik10, vous avez moins 10% avec. Donc pensez-y. Oui. Donc fishexplorer.com, code FishTik10. N'hésitez pas, c'est un petit soutien pour la chaîne FishTik. Merci. Merci. Voilà, maintenant, on va vous présenter les tresses. Une orange et une verte. Et elles sont faites en nanopolymère. Bon, le nanopolymère, je ne sais pas ce que c'est, mais sûrement que FishTik pourra vous l'expliquer mieux que moi. Ces tresses en polymère, alors je viens vous expliquer un petit peu c'est quoi. Le polymère, c'est un traitement de surface qu'on met au-dessus de la tresse et qui permet d'améliorer la glisse, par exemple, mais aussi sa résistance. Et vous allez gagner en distance de lancer. Il existe plein de diamètres différents. Les bobines font 150 mètres de tresse au total. Et vous allez pouvoir y retrouver le diamètre, la résistance du fil, tout ce que vous avez besoin pour mettre dans votre moulinet. Bon, alors dans cette caisse, on va retrouver des leurres souples et des leurres dures. Donc on va y retrouver des leurres métalliques comme celui-ci par exemple, qui est un spin tail. On va retrouver toujours dans les leurres métalliques des spinner baits. Il y a probablement plusieurs tailles et plusieurs grammages. Donc ici je vous en montre quelques-uns en rapide. Merci. Voilà, encore un spinner bait. Dans la gamme des leurres métalliques, il faut que je reprécise, parce que je l'avais expliqué pour la pêche à la truite, mais vous étiez peut-être pas tous présents lors de cette vidéo. Et donc Stucky Fishing, en fait, ils ont commencé par fabriquer des cuillères. C'est vraiment la base de leur marque de pêche. Et ils faisaient des cuillères, et ils le font toujours, des cuillères peintes à la main. Donc bon, voici un exemple. C'est des cuillères qui sont plongeantes ou non plongeantes. Il y a vraiment plein de modèles de cuillères différents, de tailles différentes. Ici, par exemple, j'ai encore une autre peinte à la main. Des modèles qui sont ici qui sont beaucoup plus adaptés pour la pêche du carnassier, parce que je les avais présentés pour la pêche à la truite. Je sais qu'à la truite, les leurres métalliques, donc cuillères tournantes ou cuillères ondulantes, sont des très bons leurres. Mais au carnassier, c'est la même chose, hein, ça reste des très très bons leurres. Toujours dans les coloris rose et pink, hein, Julie, toi qui kiffes ça. Ici, on a une imitation d'insectes, vraiment en mode funny, comme ça, c'est superbe. Ouais. Et j'ai pris cette cuillère-là comme exemple, parce qu'il y en a encore bien d'autres, il y a plein de sortes de coloris différents. J'ai pris ce modèle-ci particulièrement, parce que vous pouvez voir qu'il y a un hameçon simple dessus. Et oui, c'est équipé d'un hameçon simple d'origine, donc vous pouvez les acheter directement en hameçon simple, c'est possible dans la gamme Stucky Fishing. Donc je vais terminer avec les leurres métalliques par vous montrer celui-ci, pour vous expliquer aussi qu'il n'y a pas que des cuillères qui sont peintes à la main, il y a aussi des modèles qui sont plutôt classiques et donc qui coûtent aussi beaucoup moins cher. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez. Il y a l'opportunité en tout cas chez Stucky Fishing, si vous êtes fan de leurres métalliques, il y a vraiment des très belles choses, des petits bijoux. Alors, on passe maintenant sur les leurres dures. Alors, les leurres dures, il y a une belle gamme aussi. On va retrouver des leurres dures comme celui-ci, par exemple. C'est le Vagabond. Il fait 11 cm. SP, donc suspending. Je l'ai sorti de sa boîte. Il y a plusieurs tailles aussi, pour vous le montrer un petit peu mieux. Donc, le voici. Les coloris sont très réalistes, je trouve. Ils sont vraiment bien faits. Ils sont sur 3 hameçons. Donc en fonction des zones de pêche, il va falloir peut-être en retirer un. Il existe plein de modèles de leurres dures, comme celui-ci qui fait 13 cm. Donc il y a vraiment des leurres qui sont plus destinées à la perche, il y en a des qui sont beaucoup plus destinées au brochet. Ici, 13 cm, on est clairement destiné à la pêche du brochet ou du cendre. Ça reste un poisson qui prend encore des leurres dures. On a plusieurs coloris, donc des coloris qui sont plutôt... incroyable, hein, ouais, celui-là joli. Est tout et au noir, soleil, ça brille noir comme ça, c'est complètement magnifique. Doré comme ça, avec des petites paillettes jaunes, des coloris vraiment très spéciaux. Quoi. Ici encore un plein de paillettes, c'est voilà. Joli. Ils ont plein de coloris différents, ouais. Donc ceux-là je vais les mettre sur le côté. Ça c'est pour tout ce qui est jerk minnow. Allez, encore un coloris, je vous le montre. Et puis, on a aussi toute une gamme de leurres qui sont des leurres de surface. Hein. Je vois, il y a des tout petits poppers, il s'appelle mini bubble. Je vais le sortir parce qu'on va avoir du mal à le retrouver. Ouais. C'est des poppers, donc c'est des leurres de surface qui font plop plop, pour ceux qui ne connaissent pas et qui regarderaient cette vidéo. Il existe plusieurs tailles, dont ce tout petit qui fait 3,5 cm. Donc on est vraiment sur un mini petit popper. À essayer, franchement, pour les chevennes et les perches, ça me paraît être une super bonne petite taille pour faire un maximum de touches et de petits poissons. Ah,
attends, c'est moi. C'est toi qui le présente. Donc ouais, voilà un autre popper. C'est le même modèle, hein, mais il est juste en plus grande taille. Donc il est équipé de deux hameçons. Ouais. Et lui, il a un petit plumeau à l'arrière en plus. Ça sert à quoi ce petit plumeau? Je peux le petit plumeau, ça donne des vibrations supplémentaires dans l'eau, mais ça, c'est un petit détail. Et ici, on passe sur un autre modèle de leurre, un stick bait. Voilà, vous pouvez le voir ici. Bruiteur également. Il est un peu transparent comme ça quand on il le voit. Il a une belle forme fuselée, donc à mon avis, il doit faire des ce qu'on appelle quand on fait des animations walking the dog, donc il nage un peu comme un serpent sur l'eau. À mon avis, il le fait assez fort vu sa forme assez assez en forme de banane. Donc voilà, belle découverte aussi de chez Stucky. Alors on retrouve, comme Julie le disait, des coloris qui sont translucides et d'autres coloris qui sont opaques. Vous pouvez voir ici, on est sur le même modèle de leurre, mais deux tailles différentes. Donc il y a 6 cm ou bien je crois que c'était 10 si je ne me trompe pas. Donc on a vraiment, en fonction des poissons qu'on traque, ils ont vraiment une gamme très diversifiée pour vraiment attraper tous les types de carnassiers qu'on retrouve dans nos eaux. En leurre dur, mais pas que. Un leurre qui est lui destiné à la pêche du brochet. C'est un hybride, ils appellent ça hybride perche. Ça veut dire que c'est un leurre entre un leurre dur et un leurre souple. C'est un leurre qui va avoir probablement une tête dure et un corps souple, ouais, c'est ça. Et c'est un leurre qui va être plutôt de type swim bait. Donc lui, il n'est pas bruiteur. Ah, quoique, si, si. Ah, très légèrement. Il y a plusieurs coloris. Je vois qu'il y a un deuxième là. Toujours un coloris perche, mais un peu plus agressive et plus colorée. Et on va maintenant passer au leurre. Souple, parce que nous avons terminé les leurres dures. Ils ont 3 leurres phares, on va même dire 4 leurres phares dans la gamme chez Stucky Fishing. Alors il y en a un qui est totalement destiné à la pêche du brochet, c'est le Snuggly Shaker, donc celui-ci. Ils ont un autre leurre qui est totalement dédié à la pêche de tous les carnassiers. Alors on va le retrouver dans tous les formats en fait. Il s'appelle le Reel Rider. Donc on va le retrouver ici par exemple en toute petite taille, mais on va le retrouver en 17 cm aussi, et on va le retrouver ici en 24 cm. Donc ils ont vraiment fait une gamme complète. Donc le Reel Rider, c'est le leurre phare de chez Stucky Fishing en leurre souple, de 7 cm jusqu'à 24 cm. Donc il est vraiment décliné dans plein de tailles différentes à découvrir sur la saison. Donc ça, c'est vraiment le leurre phare de chez eux. Ils ont un deuxième leurre qui est un peu pour tout. Ouais, ça c'est spécial, mais je voulais d'abord montrer celui-ci, le Prey One. Le Prey One, c'est vraiment le leurre aussi qui est destiné à tous les carnassiers, mais pas trop au brochet, parce qu'il s'arrête à du 13 cm, 13 cm, c'est la taille maximum sur ce leurre-là. Et puis après, on a encore quelque chose qui est bien plus spécifique, ça s'appelle le King Sizer. C'est un leurre vraiment spécifique qui va permettre aux pêcheurs de pêcher à la verticale et avec des écosondeurs pour pouvoir faire de la pêche, ce qu'on appelle pélalgique, donc de la pêche où on localise le poisson et on lui met un leurre au-dessus de son nez. D'accord. Donc voilà, ça c'est un leurre qui risque de faire bouger pas mal d'eau. Maintenant, on va passer gamme par gamme. Je vais vous montrer un petit peu les tailles qu'il y a dans chacune des gammes de leurre souple. Et puis on terminera avec... Une petite danse. Non. Non. Je suis déçue, Fichique. Ils ont aussi toutes des badlings acier et des badlings en titane. Okay. Voilà, il existe plusieurs modèles. J'ai vu, ils ont une gamme vraiment très complète. J'en ai pris quelques-uns pour les tester. Mais ça, c'est toujours pratique. Enfin, moi, j'utilise pas mal encore des badlings acier pour... Quand je suis dans une zone où il y a des brochets, ben je rajoute vite un petit badling acier sur la fin de ma ligne. On va commencer avec le leurre phare, le Reel Rider. Je vais sortir des petits modèles. Et encore, en plus de ça, ils l'ont décliné en version shad et en version finesse. Donc, vous imaginez même pas le nombre de références de leurre pour cette... Voilà, il y a plein de coloris, plein de tailles, et ils les ont en shad et en finesse. Donc, c'est énorme. Je vous le montre ici. Le Reel Rider, il a une paddle là assez prononcée avec une partie ici de fin qui est assez fine. Du coup, la paddle bouge assez fort. Oui. Il est assez effilé, il a des petites nageoires en plus sur les côtés et sur le dessus. Donc un leurre qui va probablement déplacer quand même pas mal d'eau. Ensuite, on passe dans la version finesse. Je vais prendre un autre coloris, comme ça vous voyez un petit peu. Celui-là, il est assez fou. Ouais, ceux-là, ils sont beaux. Il est assez fou celui-là. Un petit leurre bien flashy, assez réaliste, parce qu'avec le ventre comme ça, qui est lui un peu plus opaque, c'est une queue, ils appellent fishtail, donc c'est pas une paddle qui va émettre des vibrations et qui va faire bouger le leurre. Je vais sortir la version de plus grande taille. Donc voici le Reel Rider.
dans sa version 17 cm, donc spécifique pour brochet et silure du coup. Pour les amateurs de pêche de gros sandre, forcément ça reste un leurre qui est encore une proie pour le sandre. Hein. Bien sûr qu'on peut prendre des sandres avec des leurres de 17 cm, ça ne pose pas spécialement de problème. Un leurre qui peut s'animer avec des très faibles plombées et très peu de courant. Donc voilà, un leurre plus destiné pour ça. Ouais, c'est vrai que je l'ai en main et c'est vrai qu'ils sont vraiment très très souples. Hein, ouais. Par rapport à d'autres que j'ai déjà senti chez toi, c'est vrai, ils sont super souples. Ça c'est le 24 cm ouais. Alors, ouais. Un leurre très très souple. Hein. Regardez comme la queue elle pend, c'est abusé. Voilà pour le Reel Rider, hein, du coup, qui est le fleuron des leurres souples chez Stucky Fishing. Alors, on va passer sur le Prey One. Très mignon. Moi, je trouve qu'il est très mignon. Alors là, il est en 5,5 cm, donc vraiment tout petit leurre. Ouais. Alors là, pour la truite et le chevenne, du coup, c'est très intéressant. Pour la perche aussi. Il est rainuré en plus, donc... sur le dessus et le dessous, tout petit leurre qui, en tout cas en 5,5 cm. Alors ici, on est sur le 13 cm et il existe aussi un modèle 10 cm. Alors moi, je n'ai pas le 10 cm et ça m'ennuie assez fortement parce que ça aurait été la taille que j'aurais le plus apprécié. Quoi. À découvrir, ça c'était le Prey One. Il existe, sur le Prey One, il existe plein de coloris aussi. Je vous mets en description de vidéo le lien vers le catalogue. Vous allez pouvoir découvrir tous les coloris qui existent. Sinon, vous pourrez probablement les retrouver aussi, tous les coloris sur Fish Explorer, tant qu'ils sont de stock et qu'ils ne sont pas en rupture de stock. Mais effectivement, il y a plein de coloris. Là, c'est encore les Prey One. Ça aussi, c'est des coloris superbes. Il y a du jaune, du chartreux. Rouges. Ici, on a des coloris un petit peu plus couleur olive. Il y a vraiment de nouveau une très belle gamme de c'est coloris. Pareil, hein. Ouais, ça, c'est un coloris qu'on retrouve un peu moins facilement partout. Ouais. Un autre modèle, et le dernier finalement, c'est le Sugli Checker. Celui-là, il m'intrigue vraiment beaucoup parce que c'est un leurre souple, mais c'est un leurre souple qui est entrecoupé, qui est segmenté. Hein. Mm-hmm. Il existe du coup un 20 cm et un 16 cm. Toi, tu as le 16 cm. Et ouais, c'est un leurre qui est segmenté. Quoi. Donc, il a deux segments. Donc, au total, il est trois parties. Je suppose que dans l'eau, ça va faire la différence au niveau du mouvement. Je sais pas. Ouais. Je suis vraiment intrigué parce que c'est pas commun de voir des leurres souples comme ça, segmentés. Ouais. Donc, à voir ce que ça donne. Voilà, on est plus sur de la pêche du brochet. Donc, je suis très impatient de découvrir tout ça. Et moi donc Bah ouais, parce que maintenant que tu as une canne rose, un flot tube, en fait je t'ai tout acheté. Des leurres roses avec paillettes et tout. J'espère qu'elle vient de pêcher avec moi. Mettez plein de commentaires comme quoi elle est obligée d'y aller parce que ça me ferait plaisir en tout cas. Modèle très 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 spécial aussi de chez Stucky Fishing qui est plutôt destiné à la pêche sur glace. Il s'appelle le Vertical Bouncer. Mais que ce soit la pêche sur glace ou la pêche en flottube ou en bateau, à la verticale, finalement, ce leurre a la même utilisation, très spécifique comme leurre. Donc, je l'ai sorti par exemple de son emballage, vous allez le voir ici. C'est un leurre qui est pré-monté, pré-plombé, donc prêt à l'emploi en quelque sorte. Il a deux hameçons sur le leurre et il est armable, on l'accroche sur le dessus du leurre. Donc, c'est vraiment un leurre qui va être pêchable uniquement à la verticale, donc le ligne va être comme ça. Et on peut voir à l'arrière que sa paddle, elle est pas plate, elle est carrément à l'horizontale. Et c'est normal parce que ce leurre est fabriqué non pas pour pêcher en avançant, mais fait pour pêcher de haut en bas. Donc il va bouger, c'est pour ça que la paddle est complètement plate. Parce qu'en fait, c'est quand on va le faire bouger comme ça que la paddle va bouger. Donc un leurre qui est vraiment destiné à pêcher à la verticale. J'ai vu que sur la chaîne YouTube Fish Explorer, ils l'ont utilisé en pêchant sur glace et qu'ils ont attrapé des bazars énormes, des sortes de truites de montagne, genre des touladis ou je ne sais pas quoi, des Christy Vomer de grande taille. Mais en tout cas, j'ai vu que ce leurre avait fonctionné. Donc pour moi, leurre vraiment très bizarre que je vais tester et découvrir cette saison. Moi, j'espère en tout cas que vous avez kiffé voir cette ouverture de colis et ces nouveautés dans le domaine de la pêche en France et en Belgique. Merci Julie de nous avoir accompagnés pour animer cette vidéo. Moi de mon côté, c'est bientôt la compétition du YouTube Predator Cup. Ce sont des leurres avec lesquels je vais pêcher à la compétition du YouTube Predator Cup. Pas la totalité, je vais sélectionner ceux qui correspondent à mes stratégies de pêche forcément parce que les heures sont comptées. Il faut être le plus efficace tout simplement et donc utiliser les meilleurs leurres pour les meilleurs endroits de pêche en fonction de ce qu'on traque comme poisson, etc. Mais pendant mes entraînements, je vais déjà les essayer et en fonction des résultats de mes essais, je pourrai choisir ceux que je vais utiliser pour
espérer vous offrir un trophée cette année. Allez, on espère, hein. Et donc, envoyez-lui vos ondes positives et plein de chance et de courage pour la compète, hein. Parce ouais, que nous, on sera derrière lui, hein, toute la tribu. Je vais me donner au maximum, comme j'ai l'habitude de le faire. Mes compétences de pêcheur aujourd'hui ne sont plus à prouver parce que deux fois, je termine en demi-finale ou en finale. Ouais. Donc, après, il y a la chance qui vient encore en compte. Et puis, je peux complètement me viander aussi. Tous les compétiteurs qui sont là-bas sont tous très talentueux. Et ça reste, le meilleur gagne. Ça restera qui celui qui sera le mieux entraîné ou celui qui aura eu les meilleures infos ou celui qui aura le mieux trouvé la pêche gagnera. Donc, on verra que le meilleur gagne en tout cas. Yep. Nous, on vous dit à bientôt. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. La présence de Julie, si vous avez kiffé aussi, que je ne sois pas tout seul à présenter du matériel, que ça se fasse un peu plus dans la convivialité. N'hésitez pas à le noter en commentaire. Et du coup, on vous dit à bientôt. À bientôt. En espérant qu'elle vienne avec moi. Allez, bye bye. Salut. Ciao.